Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Moi ça va, super. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du challenge RAL la Louvière. Dans le premier épisode, je vous avais montré la tactique, l'effectif de départ, les ambitions personnelles et du club. On va s'occuper dans cette vidéo des transferts, des tout premiers matchs de coupe qu'il y a eu. On est le 8 septembre, juste avant la première journée de championnat qui se jouera le 10. On va parler donc des transferts. Il y a eu quelques départs, quelques arrivées. On va passer au tableau tout de suite. On va d'abord parler des départs. Et il y a eu le départ librement de Thomas Van Eck, librement à Vigor. Le départ aussi de Samuel Goliath, un de nos ailiers. On avait pas mal de joueurs offensifs sur ce côté droit ou gauche. Il fallait faire un choix. Et c'est vraiment un des seuls qui avait l'opportunité de partir. Et le départ, malheureusement, de Nelson Azevedo pour 87 000 euros à Berchot. On ne voulait pas le laisser partir. On a reçu une offre du club belge. Vu notre situation instable au niveau des finances, il nous fallait des liquidités. J'aurais aimé le garder, bien sûr. Mais dans ce début de carrière, on prendra pas de risques. Il jouait sur les côtés, mieux offensif, sachant qu'on ne joue pas avec de mieux offensif. Sur les côtés, on était pas mal garni. On a accepté la proposition du club. Le départ aussi de Luca Franco. Il fallait libérer de la masse salariale pour intégrer des joueurs à des postes vacants. On a dû le laisser partir. Et le même sort pour Mathias Francotte. C'est un joueur qui avait pas trop de potentiel. Et comme pour Luca Franco, il fallait dégraisser quelques salaires au niveau des arrivées. On va commencer donc par Nezar Ezrifi, milieu de terrain, qui vient de Venlo, aux Pays-Bas, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Il vient gratuitement avec des primes de match uniquement de 300 s'il joue. Et si il n'est pas utilisé, on lui donnera 130 euros. C'est les contrats amateurs, c'est pas des joueurs avec des contrats fixes. À lui maintenant d'être convaincant pour jouer un maximum de matchs. On a l'arrivée aussi de Senat Karamet pour 900 euros par mois. Il vient d'un club belge, Antwerpen. Lui, sa polyvalence côté droit ou côté gauche va nous faire plutôt du bien. Une bonne capacité d'accélération pour la D3 belge. Je pense qu'on est pas mal. 11 en centre, 12 en concentration, 14 en décision. Il va être là pour prendre le côté gauche de la défense. L'arrivée aussi libre de Flavio Trubia. Un contrat à la prime de match de 220 euros et de remplacement non utilisé 445 euros. Lui, c'est un joueur secondaire. Il viendra faire des bouts de match. On l'a acheté du Standard de Liège. Jeune joueur de 18 ans. On a aussi l'arrivée de Otman El Kabapri. Il vient de Lierse. Il a joué à Zulte Waregem. Il a commencé sa carrière à Anderlecht. Lui, ça va être notre joueur de rotation pour le côté droit de la défense. Et surtout aussi en tant que milieu défensif. L'avantage, c'est qu'il peut être polyvalent à plusieurs postes. 16 en agressivité, 13 en volume du jeu, 14 en courage. Il va nous faire du bien dans des moments difficiles. Et la dernière recrue qu'on a pris, lui, c'est l'attaquant vedette. C'est l'attaquant que je voulais absolument. Igor de Camargo. Bien sûr, il est extrêmement âgé. 39 ans, avec un salaire de 1500 euros par mois. Il nous fallait cet attaquant. L'attaquant de pivot que je voulais tant, que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Jeu de tête 17, courage 18, bonne puissance et équilibre 16, gros leadership. C'est un joueur vraiment déterminé qui va faire de son mieux sur le terrain. On aura besoin de cet attaquant donc pour lancer notre buteur.
il sera là pour dévier les ballons. Je compte pas sur lui pour marquer beaucoup de buts, mais lui il sera là dans le collectif et faire du bien aux joueurs autour de lui. On a réussi donc à faire une équipe avec des doublons dans les postes, d'où les quelques départs des joueurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. La compo type qui va débuter dans la saison. On a Libertio en gardien. Côté droit, on a Hamzaoui. Côté gauche, on a Karamet, notre cruche. Défense centrale sera composée de Fioré et de Faye. Déjà, une belle entente entre eux. Anjuli, milieu défensif, il va être là donc pour harceler tous les joueurs qui seront autour de lui. Evanzo, le box-to-box, qui apportera son soutien offensif et qui aidera Anjuli dans les tâches défensives. Badibanga, ailier gauche. Soumaré sera lui côté droit. Et en attaque, on a donc De Camargo qui sera là autour de Lambo pour l'aider à marquer. Il va être là donc pour combiner avec les deux milieux latéraux. Lambo sera notre buteur numéro 1 dans l'équipe. Le bonne touche est assez complet. On a vraiment maintenant doublé tous les postes. Et un petit jeune qui a popé dans le centre de formation, c'est Hakim Le Terrier. Il a une note correcte pour l'équipe première. Il a seulement 16 ans avec un très bon potentiel. Il va débuter, bien sûr, lui, dans l'équipe jeune, dans les U18. Pourquoi pas dans la saison le mettre sur le banc de touche et faire quelques bouts de match. On va faire un petit point au niveau des finances. Avec la vente d'Azevedo, on a monté dans le solde à 115 millions d'euros. On a été monté jusqu'à un peu plus de 200 000 euros. On reste en déficit chaque mois. D'où l'importance d'avoir libéré un peu de budget salarial et augmenté les postes. On était vraiment en début de saison environ 60 000. On a baissé de 5 000 euros par mois. C'est pas énorme. C'est déjà ça. On peut pas faire beaucoup moins. On a des objectifs. Attends, on en perd là actuellement de 23 000 euros. Et nos projections nous donnent un solde en fin de saison à moins 500 000 euros. La saison suivante à un peu plus de 1 million d'euros. Et la saison 2024-2025, un solde à moins 2 millions d'euros. À nous maintenant de monter cette année. Et pour rester, à nous maintenant de monter absolument cette année. Et d'avoir de meilleures recettes. On a besoin déjà d'avoir un stade bien rempli. On verra dans le temps ce que ça va donner. On compte aussi sur notre centre de formation pour sortir des bons jeunes. De toute façon, on va tout faire pour essayer de ne pas dépasser notre budget salarial, d'essayer d'avoir des joueurs à moindre frais pour équilibrer les finances en fin de saison. On a fait deux matchs officiels. Je ne parle pas de, bien sûr des matchs amicaux qui ont été là donc pour faire la connaissance de la tactique, pour qu'il y ait des liens entre tous les joueurs. La Croquis Cup avec deux matchs, deux victoires. Le premier contre Kampen, 2-0 avec un doublé de Lambo à la 23e minute de jeu sur un ballon donné par De Camargo. C'est ça qu'on veut dans la saison. Et le doublé dans la minute suivante, 24e sur un ballon donné par Soumaré. On a ensuite géré et fait tourner un maximum l'effectif. Le match d'après en Croquis Cup pour le 4e tour. La Croquis Cup, c'est un peu la Coupe de France. Victoire contre le KFC de Lille. Alors là, le nom peut être marrant, mais Lille est une ville dans la province d'Anvers en Belgique. Je ne savais pas du tout que ça existait. Mais pourquoi KFC, je peux pas vous dire. Si des gens le savent, mettez l'info en commentaire. Victoire donc 4-1 avec une ouverture du score de Anjuli sur une frappe de 25 mètres à la 2e minute de jeu. De Camargo pour son premier but sur ses nouvelles couleurs sur penalty, 18e minute de jeu. 37e minute de jeu, Badibanga pour le 3e but. Et en fin de match, le buteur maison Lambo sur un magnifique coup franc qui donne cette large victoire et cette qualification au tour suivant qui se jouera contre
TCL Sport, chez nous, c'est un club du même niveau que nous. À nous d'aller haut dans la compétition pour emporter un maximum de finances et un peu de réputation. Dans la prochaine vidéo, on va voir le début du championnat. Il y aura tout ça. Ça va être le même principe que les matchs de coupe. Les résultats, je vous montre les buts. Et il y aura aussi le mercato hivernal. À voir s'il y aura du changement, si on va rester sur le même effectif que début de saison. Tout ça, ce sera à suivre dans la prochaine vidéo. Merci à vous tous d'avoir suivi la vidéo. Si c'est pas fait, le petit abonnement, le commentaire en bas de la vidéo, le petit pouce bleu pour la force. Sur ce, je vous dis bye!